Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Greg. Aujourd'hui, je fais un stream pas en jeu. Parce que bon, bah, je suis un peu fatigué déjà. Puis je vais jouer avec mon gamin cet après-midi. Le petit Henri. Je sais pas si vous avez déjà vu mon petit gamin. Il y a encore une vidéo qui devra. Il va disparaître aujourd'hui, je pense, sur Twitch. Donc je joue avec mon gamin de temps en temps. Je suis tout nouveau sur Twitch, voilà, donc c'était une petite vidéo pour parler un peu de moi déjà, me présenter, faire peut-être un petit clip vidéo après, je sais pas, puis voilà, donc je suis nouveau, je galère avec mes sons à la con et mes micros depuis déjà 2-3 semaines, donc... Voilà, déjà avoir un casque toute la journée au travail, puis le soir, bah, c'est pas génial. Et puis, bon, bah écoutez, si je veux faire ce que je vais faire maintenant, c'est pas très cool. Regardez bien, je vais changer, je vais enlever mon casque, je vais le mettre comme ça. Voilà, hein. On m'entend déjà peut-être un peu moins bien. Ah oui, je suis belge, hein. Au fait, pour ça, je prends les accents qui conviennent de temps en temps. Voilà, donc je sais pas si on m'entend bien ou autre. Mais voilà, mais bon, moi j'aimerais bien utiliser ce petit accessoire que j'utilisais déjà quand j'étais gamin, que mon gamin ne veut pas jouer avec. Voilà, pas jouer avec mon beau petit casque de Gaulois. Voilà, Astérix, le Gaulois. Voilà, hop. En plus, je sais même pas le mettre droit. C'est super. Voilà, bon bah voilà, donc c'est pas génial. Alors, bah hier, oui, on a dit hier, c'était dimanche. C'était dimanche hier, mais j'ai un super petit magasin près de chez moi, j'espère qu'on m'entend un peu mieux maintenant. Je sais pas si vous me suivez, si vous me regardez, bah voilà, bonjour, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat, je le vois. Je m'appelle Greg, je répète encore, voilà, donc hier j'ai été dans un petit magasin près de chez moi et j'ai été chercher ce genre de petit truc là, voilà, un petit micro. Alors on va le déballer tantôt, voilà, regardez à quoi ça ressemble, j'ai même pas encore ouvert, j'étais impatient pourtant et voilà. Ben voilà, j'ai attendu, je dis oh, on va faire ça en live. Voilà, pour tester un petit peu et s'amuser et boire du café parce que c'est lundi matin, même si c'est férié. Voilà, ça fait du bien. Alors, que dire d'autre? Bah donc je suis Greg, je suis informaticien à la base. Je travaille donc depuis quelques années en tant que consultant pour un client dont je ne citerai pas le nom. Voilà. Et pour l'instant, bah, je m'occupe de leur plateforme de streaming. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui stream ou quoi que ce soit. Je me connecte dans des salles ou autres et je leur transmets sur Internet. Et en fait, j'ai commencé donc tout simplement à faire des tests avec OBS dans le cadre du travail. Mon gamin veut devenir YouTuber a dit « Oh papa, c'est génial ce que tu es en train de faire parce que je testais avec un jeu vidéo. » Et désolé, j'ai des notifs. Donc, qui veut devenir YouTuber, donc m'a vu tester avec des jeux vidéo, il a fait « Oh papa, c'est génial, voilà, quand est-ce qu'on se lance ?» Donc, bah, j'ai commencé à tester d'abord, on a fait un live privé sur YouTube, puis on a fait un premier live Twitch ensemble. Enfin, moi, j'ai commencé en fait à me prendre au jeu, alors que moi, j'étais pas spécialement chaud. Et je trouve ça rigolo. Voilà, bon, bah, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Voilà, pour l'instant, le but c'est quand même de s'amuser. C'est pas. Enfin, en tout cas pour moi. Pour moi, le but c'est de m'amuser. De revenir un peu sur Internet. Parce que ça fait quelques années que j'ai un peu déserté les plateformes Internet. Il faut savoir que, à la base, donc, je suis consultant informaticien. Mais j'écris des livres aussi. Donc j'en ai déjà sorti plusieurs,
Les livres sont téléchargeables gratuitement et les personnes peuvent donner ce qu'elles veulent. Il y aura peut-être un jour un bot qui mettra le site internet dans le chat parce que le bot je l'ai pas encore configuré. Donc voilà, j'espère que je vais pas avoir trop de spammers tant que je le fais pas. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'il y a pas trop de risques. Le temps que je devienne une superstar de Switch, des poules auront peut-être des dents. Ou peut-être même autre chose, non, on ne sait pas. Bon, on va pas rentrer dans le détail plus loin, voilà. Voilà, donc il y a, j'ai écrit beaucoup. J'étais très présent sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'avais presque à un moment 1000 abonnés sur Twitter, sur Facebook. J'étais aussi, enfin j'étais sur tous les réseaux tout le temps. Je passais mes journées à ça, à répondre aux gens, à écrire. Enfin bref, j'étais épuisé. J'ai eu des changements dans ma vie privée. Et j'ai décidé de mettre un peu tout de côté, de me recentrer un peu sur moi-même. Et voilà. Bon, bah, j'adore jouer aux jeux vidéo par contre. Donc surtout les MMO. Je suis un grand fan de la série de Guild Wars 1 et Guild Wars 2. J'ai adoré aussi les jeux Conan. Donc enfin, j'ai pas testé les derniers, mais bon, Conan Exile et Age of Conan, bon, surtout Age of Conan, j'y ai passé des plombes. Et je suis également spécialiste des morts débiles dans les jeux vidéo. Donc, s'il y a une falaise, bah, je vais me la prendre. Des trucs comme ça, où pas faire attention et attraper tous les mobs de la carte qui vont me sauter dessus. Voilà. Au plus c'est stupide, au plus c'est du Greg. Voilà, ça c'est une phrase que vous pouvez retenir de moi. Voilà. Que dire d'autre? Bon bah, je suis sûr que je parle tout seul, donc que j'ai pas grand monde qui est en train d'arriver ou de. Si vous avez des questions que vous suivez, n'hésitez pas. Je suis là. Je défends donc oui un informatique libre pour la plupart, même si pour l'instant je travaille avec beaucoup de produits Microsoft, mais je suis un grand fan de Linux. Si j'ai du Microsoft, c'est pour principalement des raisons de boulot. Mais sinon, je ne travaille qu'avec des logiciels libres de base. L'exemple le plus connu du logiciel libre, si vous ne le connaissez pas, pour moi, c'est Firefox et Linux. Donc voilà, je vois que j'ai mes cheveux qui sont en train de tomber dans les yeux, ça va bientôt chatouiller. Ouh là là, au secours, maman, j'ai peur. Alors, bon, une petite tasse de café. Bref, essayez de regarder un petit peu cette jolie boîte. Voilà, donc un Razer Siren Mini. Voilà, le gars, il avait plus ou moins que ça en stock. Et puis bon, bah, Razer, je suis quand même assez fan de leurs produits. J'ai la souris. Voyez, belle petite. Si tu vas dans l'autre sens, ça va pas aller, Greg. Voilà, belle petite souris. Voilà, j'ai le tapis de souris. Bon, le tapis de souris, vu qu'il y a plein de trucs dessus en plus, je vais pas trop le montrer. Bah, le casque, c'est aussi, c'est le Kraken, si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup leurs produits. Ils sont de bonne qualité, ils tiennent des années. Même si j'ai déjà bousillé plusieurs de leurs souris. Alors, on enlève le petit plastique. Voilà, j'ai enlevé le petit plastique. Ouais, voilà, on ouvre la boîte. On sait pas faire un petit peu comme ça pour voir un peu plus. Voilà. Faites pas attention au bordel chez moi. Et si ma copine me voyait, elle dirait « Putain, t'as encore mis ton t-shirt dégueulasse. » Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Hop. Si on fait comme ça, ça va mieux. Un petit peu plus comme ça. Oui. Voilà. Hop. Maintenant, on voit plus ma tronche. On voit juste fuck Google. C'est génial. J'espère que c'est pas contraire au truc de Twitch. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un beau petit câble ici. Voilà. Je le mets là. On a quoi? Ça a l'air d'être un pied, je pense. Hein. Parce que c'est le pied. Là. Ah oui, c'est le pied. Eh oui, c'est le pied. Je suppose qu'il faudrait peut-être que je regarde le mode d'emploi, ce serait peut-être une bonne idée, parce que voilà, le premier truc que je dis aux gens, c'est « putain, mais lis ton mode d'emploi ». Et quand c'est à moi de le faire, bah, je le fais jamais. Donc je suppose que ça, c'est le micro en tant que tel, comme dirait Karadoc.
Ça pas l'air de l'USB-C, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'on me téléphone. Je vais raccrocher. Voilà, surtout que c'est bizarre, j'ai mis mon téléphone en ne pas déranger. Voilà, donc je suppose que ça... Et ça, c'est quoi ce machin? Un truc. Voilà, je suppose que ça, ça se met comme ça et comme ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Hop. Mais je suppose que ça, ça se met comme ça. Alors, elle est où la direction? Bah, je suppose que c'est pas du côté où il est marqué FC machin chouette prout ma bidule. Et bien sûr, ça va pas dans le sens que je veux, sinon c'est pas drôle. Alors, si on faisait comme ça. Parce que je suppose que le micro, il devrait arriver comme ça, en toute logique. Soyons bien d'accord. Oui, bien sûr, ça ne va pas dans le... Non, alors hop, on recommence. C'est dimanche matin. Donc, ceci est comme ça. Donc, je le mets à l'envers et on va voir si ça marche. Hop. Alors, voilà. C'est déjà mieux. Ah, mais en fait, Greg, t'es un peu biaise, hein. Parce que regarde, ça bouge. Donc j'aurais pu le faire comme ça. Et alors, je suppose que ça, c'est le petit câble qu'on va brancher. C'est de fait pas de l'USB-C. De ce côté-là, en tout cas. Alors, j'ai pas mes lunettes. Allez voir, ça doit être plug and plant. Hein. Hop, voilà, c'est mis. J'ai un beau petit micro. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dedans? It's time to set green. Oh oui, super. Time to set green. Bon, bien sûr, pour faire les tests, j'ai allumé mon PC portable qui tourne un peu plus loin. Le son est pas très faible parce que je vous dis, je galère tellement. Oh, des autocollants, comme à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? C'est du japonais. Comment monter le micro? Ben, j'ai réussi tout seul, grand. Alors, A. Statut indicateur, micro USB-C, thread mount. Your product serial number here. Ah, il y a du français aussi. Input device. Alors. Alors, on va s'amuser un peu là, on va aller tester ça. J'espère que ça donnera quand même quelque chose, parce que voilà, j'ai un beau petit micro maintenant. Ce serait cool que ça marche pas très bien. Et je vous dis, je suis pas un G-son, je suis ingénieur informaticien. Mais j'adore bidouiller, tester et autres. Mais il est quand même joli, hein, quand on regarde, voilà. Voilà, c'est du Razer, c'est toujours joli. Est-ce que j'ai un USB frontal de lit pour tester ça? Alors, voyons voir. Hop. Est-ce qu'on m'entend encore? Je vais regarder ma source OBS, c'est toujours mon casque micro. Je vois que mon micro est actif. Je vais couper ça. On revient dans 2 secondes pour tester, pour voir ce que ça donne. Bonjour, alors moi c'est Greg, le super voilà, youtubeur, streamer de la mort qui tue, qui dit fuck à Google. Voilà, on remonte un peu la caméra ici, comme ça on voit quand même mes jolis petits cheveux. Hein. Voilà. Et j'espère qu'on m'entend bien. Alors, bon, bah, je continue à parler 2 secondes pour voir ce que ça donne. Hein. J'espère que ça va. Ouh là là, mon appareil est prêt. Ouais!
qui serait bien après, c'est de tester peut-être un jeu, parce qu'en plus tout est réglé sur mes baffles et pas dans mon casque, donc ça va faire du boucan, du tonnerre. Ici j'ai enfermé mon gamin dans sa chambre, j'ai fermé à double tour, parce que voilà, mon petit fifi aime bien se promener derrière la caméra, donc je l'école, je l'ai pas enfermé, il est en train de faire un bouquin. Il sait bien qu'on teste des trucs, on fera encore des tests durant la matinée avant de faire le stream de la télé. Voilà, donc je continue à parler un peu, je vais vite voir sur mon PC portable, je reviens dans 2 secondes. Bon alors, bien sûr, comme un con, il était sur, en train de passer un replay, donc j'ai même pas pu voir ce que je disais. C'est cool, vraiment cool, cool, cool. Donc ici je parle encore un petit peu, je raconte des bêtises. Si vous me regardez, n'hésitez pas, mais j'ai vu que j'avais un follower, puisque à mon avis c'est le follower fantôme qui est de mon PC portable. Voilà, on voit que c'est... J'ai des belles serres, oh là là, oui, Greg, il faudrait faire le dos de temps en temps, voilà. Ah oui, on voit bien mes bouquins, donc comme vous pouvez voir derrière, je suis un grand fan de jeux de rôle, surtout du jeu de rôle Vampire, la Mascarade, Dark Age, le monde des ténèbres en général, de cette rangée, deux bouquins, rien que consacré à Vampire, là. Au-dessus, c'est d'autres jeux. C'est peut-être qu'un jour je ferai si les gens sont motivés, partir en live sur Twitch, ça pourrait être bien sympa. Bon, je vais voir ce que ça donne de l'autre côté, je reviens tout de suite. Ma foi, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, le son est très faible sur mon PC, donc je pense qu'on m'entend plus ou moins correctement. Oh là là, c'est cool. Alors, ce qui va être rigolo maintenant, c'est qu'on va changer de scène. On va voir ce que ça donne. Alors, on va faire. On va peut-être d'abord lancer ça. Hop. Je vais passer au PS2 sur notre écran. On va passer sur celle-là. Alors oui, c'est un bel écran noir encore pour l'instant. Est-ce qu'on entend les bruits de mon clavier? Je n'en sais rien du tout. Voilà. Oh, j'ai 2 spectateurs. Bonjour, 2e spectateur. J'espère que vous allez bien. Le jeu se lance. Bon, le micro est censé être dans ma direction, pas dans le sens de mes baffles, mais connaissant mes réglages tout moisis de micro. Oh, ça a l'air d'aller en fait, pourtant. Oui, ça a l'air de plus ou moins aller correctement. On va prendre un petit personnage. Je vais prendre celle qui fait mes copies. Hop, voilà. Je vais rester sur cet écran-là, hein, comme c'est pas une séance de jeu, mais plutôt une séance de chat. Et c'est juste pour bien tester ce beau petit nouveau micro, tout joli, tout beau, tout noir. J'aime bien. Oh, oh là, il y a beaucoup de bruit ici. Les prix ne sont pas négociables. Ah oui, il va falloir faire des... Comment allez-vous ? Petit changement dans le micro, oui, ça, c'est clair et net. Une chose vous intéresse en particulier ?
On va peut-être faire ça un peu. Est-ce que c'est déjà mieux? Hop, on reteste. Je repasse. Voilà. On va prendre le petit courrier du jour. Succession. Super but. Les dialogues. Est-ce que si je baissais un peu le son, ouvrir le mélangeur de volume et que je baissais un peu le jeu, ce serait peut-être pas déjà mieux? Hop. Oh, la musique des Guild Wars, c'est quand même très joli. Alors, pam pam pam, on va juste voir ce qu'il y a dans les quotidiens à faire, comme ça. C'est juste pour tester un peu le son, voir ce que ça donne. Contrée sauvage de Magma, c'est pas grave. Match quotidien classé, non, sur du PVP, non, ça va pas. Hop, 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 hop. Alors, conquérant quotidien d'effort, non, bah on va aller juste faire ça. Ici, il y a la musique qui passe du jeu, je trouve ça très beau. J'espère que tout donne bien. Je suis en train de remettre un peu plus de son au jeu. J'espère que tout se passe super bien. Mais ça me fait un peu peur quand même. J'ai peur de devoir mettre le son dans mon casque. Oui, maintenant que j'ai mon super truc, je peux mettre mon casque de viking, enfin de gaulois, qui est beaucoup trop petit pour moi, puisque c'est un casque de gamin. Hop, voilà, on s'amuse. Alors, les contrées sauvages de Magouma, cela, c'était quoi? J'ai déjà même pas retenu ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon, ben, j'espère que tout donne bien, hein. Donc, je rappelle que si vous venez d'arriver et que vous voulez faire un petit bonjour dans le chat, n'hésitez pas. Un petit follow, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Si vous me trouvez assez rigolo ou assez bizarre, ou que vous aimez bien jouer, ou que vous aimez bien vous moquer de Belge, parce que voilà, on prend bien l'accent qui convient. Voilà. Va falloir faire du réglage, hein. Ça, encore une fois, malheureusement. En tout cas, j'espère qu'il y a moins d'écho. En tout cas, ouais, les dialogues et les gros bruits, ça, je vois que c'est pas la joie. On va faire ouvrir le mélangeur de volume. On va baisser encore un petit peu ici pour voir. Ça a l'air déjà plus correct. C'était quoi qu'il fallait prendre des plantes? Bon, on va voir. À mon avis, il y a plein de gens qui font plein de trucs là. Oui, il y a quand même beaucoup de sons. Il faudra, à mon avis, que je passe les sons dans le casque parce que. Hop. Ah oh oui, mais oui, vos âmes m'appartiennent, parce que voilà. Je joue des nécromants, j'aime bien les nécromants, ils sont chouettes. Faire des petits cadavres, balancer des malédictions. C'est rigolo, hein, on s'amuse. Bon, si Greg, au lieu de faire le singe, tu regardais pas ce qu'il fallait faire. À mon avis, ça doit être les plantes. Hein. Hop, quotidien. On vérifie. Cueilleuse, oui. Donc, il me faut encore une petite plante. Après, on pourra couper le jeu. Bon, je ferai les autres cotis peut-être tantôt. Pour l'instant, je dois dire que c'est pas une activité qui me passionne énormément. Voilà. Bon, il n'y a pas une petite plante ici quelque part? Bon, bah, y a toujours personne qui veut me faire un bonjour dans le chat, je suis un peu triste. Bon, je sais qu'il est que 9 h du matin. Voilà, j'ai fait ma quotidienne. Bon, je vais quand même prendre un petit peu de bois parce que je suis en train de préparer une belle taverne pour mon hall de guilde pour aller boire des bières, ce qui était des pils et des mazotes dans le petit stabenei. Salut!
Ça, je ferais bien parce que j'ai déjà fait quelques vidéos sur YouTube il y a quelques années, dont une où je racontais une histoire en bruxellois où elle avait ni queue ni tête, c'était juste un truc. Les gens rigolaient un peu des expressions belges, alors je me suis dit bon, autant les faire rire jusqu'au bout. Donc j'ai fait une petite histoire, elle est sur YouTube un peu cachée. On fera une vidéo react de mes vieilles vidéos YouTube, dont une c'est Super Mimi, mais pour ça il faudrait que j'ai l'autorisation de la maman de mon gamin. Donc oui, j'ai un gamin de 9 ans, presque 10, qui veut devenir YouTuber. Et qui est adorable. Et qui commence à découvrir un peu les jeux vidéo. Bon, c'est vrai qu'il joue un peu à Guild Wars 2, c'est peut-être encore un petit peu petit. En tout cas, enfin, pour l'histoire, j'estime que ça va, mais la prise en main, il a encore un peu du mal. C'est le fan de Minecraft. Minecraft, moi, il n'y a vraiment pas moyen. Je supporte pas ce jeu. Ben voilà, on a fait un peu de. Non, oui, bien sûr, je peux pas parce que. Là, on est en train de me taper dessus. Voilà. On va essayer de se mettre à l'abri. Et voilà. Donc, j'espère qu'on m'entend toujours aussi bien. Je regarderai le replay de toute façon tantôt. Voilà. Et des réglages encore en fin de matinée pour être sûr que le stream de cet après-midi soit de meilleure qualité que ce que je fais d'habitude. Et je pense même que je vais coupler un Discord en fait pour mon fils. Comme ça, on va dans des pièces séparées parce que pour l'instant, les réglages sont, il y a toujours un écho. Malgré la réduction du bruit. Donc à mon avis, on fera encore quelques petits tests ici maintenant. Voilà. Pour éviter que justement ce soit un peu désagréable. Voilà, bon, de toute façon, on peut couper ça. On peut retourner sur la webcam. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est pas très très longue, ça fait combien de temps? Ben, une demi-heure quand même déjà qu'on est ensemble. Un peu moi tout seul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit coucou. En tout cas, le micro a l'air de fonctionner plus ou moins comme il faut. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire s'il y a un truc à améliorer. Moi, je suis preneur de tous les conseils possibles, inimaginables, pour faire des trucs de qualité sans trop me prendre la tête. Et voilà, parce que le but c'est quand même de m'amuser. Je bosse là toute la journée si c'est pour encore mettre la configuration. Et qu'on soit tranquille. Bref, ben, je vous dis certainement à tout à l'heure pour ceux qui voudront regarder Greg et Henri disputer dans les jeux vidéo, parce qu'il y aura certainement des disputes. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente matinée, un bon café, prenez une bonne dose de caféine, amusez-vous bien. J'espère que j'étais pas trop stupide ou. Enfin, si, bon, ridicule ne tue pas. Voilà, j'espère que. Voilà. Bref, bon réveil. Moi, je vais terminer mon café et je vais voir un peu ce que ça donne, tous ces micros et autres. Et trouver une bonne solution pour faire un stream de qualité. Bref, je vous dis à plus tard et j'espère que cette petite vidéo de 30 minutes vous a plu et je vous dis salut! Thank you.